Samia Suluhu Hassan souhaite donner une nouvelle image de la Tanzanie. Lors d'un voyage de 2 jours au Kenya, la nouvelle présidente a profité de sa volonté de rapprochement entre les deux pays pour aborder devant le Parlement la question de la Covid-19, alors que son prédécesseur John Magufuli, décédé en mars dernier, n'avait cessé de minimiser les effets de la pandémie. Samia Suluhu Hassan a profité également de sa visite à Nairobi pour rappeler l'importance d'une collaboration entre les deux pays. La Tanzanie et le Kenya ont notamment abordé les questions commerciales et frontalières et annoncé la signature d'un accord pour le transport de gaz de pétrole liquéfié de la ville portuaire de Mombasa à Dar es Salaam.